Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa de la chaîne des petites mains de Ninon. Et je vais vous faire encore un haul, comme les quatre derniers d'ailleurs, qui ont été présentés le lundi. Donc c'est un haul sur les stickers pour le Happy Planner, Bullet Journal, sur ce que vous voulez. C'est des stickers qui sont effet papier. Donc ils sont très plats, ils sont très faciles à utiliser. Ils ont un effet de... Qui a sifflé? Ils ont un effet de transparence, pardon. C'est non, mais on se rend pas compte. Parce que j'ai recommencé trois fois la vidéo parce que ça klaxonnait. Donc maintenant, top de la vigilance. Mais bon, en gros, les stickers que je vous présente, ce sont pas des stickers 3D, des stickers en effet plastique. C'est non, c'est vraiment c'est du ce que je préfère. C'est vraiment ceux qui sont à effet un peu papier, un peu aquarelle, un peu comme si c'était dessiné. Et pour moi, c'est les plus faciles à utiliser sur les organisations. À savoir, ils ne sont vraiment pas chers, parce que je les prends sur AliExpress. Ils sont à un prix plus que dérisoire. Parce que la planche, donc c'est toujours un lot de 6 planches et c'est toujours 1 euro maxi. C'est vraiment à savoir, ça vaut le coup financièrement. Et... Excusez-moi, c'est bonjour les allergies, ah, c'est bien, hein, c'est vive l'été. Tout le monde me dit, oh, t'inquiète, ça va passer. Non, ça s'aggrave. Donc je vous explique, en gros, ça a un peu cet effet-là, c'est-à-dire que quand la couleur en dessous est plus foncée que la couleur qui est sur le sticker, on la voit. Donc c'est vraiment à savoir, c'est vraiment à tenir en compte, parce qu'on a un peu tendance à pas y faire cas, mais... Il y a des fois où ça fait pas beau, il y a des fois où franchement c'est hyper utile, il y a... ça sera à vous à juger. Je vous donne pas de lien de revendeur parce que honnêtement, peu importe chez qui vous prenez, ce sont toujours les mêmes. Il faut aussi savoir qu'il y en a qui ont quelques années, qui c'est toujours les mêmes. Et les prix sont pas du tout élevés, hein, mais voilà, c'est vraiment à savoir. Tout ne veut pas dire... Enfin, leur nouveauté des fois c'est juste du réapprovisionnement. On n'a pas tous les mêmes mots pour dire, voilà. Moi aussi, ça peut être un défaut de traduction. Donc, voilà la première que j'ai prise. Donc, c'est quand même des planches qui sont assez complètes. Hein. Moi, globalement, pour un mois, j'aime bien utiliser au moins 4 planches. Mais je grignote, en fait, dans le lot de 6 planches. Comme ça reste tout sur le même thème sur le mois. Ça fait super joli. Donc, ça, c'est très, très clair. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai une période où j'ai eu une période. Je suis dans la période un peu romantique. J'aime beaucoup le vert. De toute façon, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur qui est très, très apaisante. Je suis en train de m'apercevoir. Il y a beaucoup de plantes grasses dessus. On n'en parle que pendant la grossesse, on grossit. C'est quand même... On me l'a dit visuellement, tu vas grossir. Je vois bien les femmes enceintes, elles grossissent. Hein. Je ne suis pas encore aveugle. Mais bon, la balance, des fois, elle ne te dit pas la même. Des fois, elle te dit « Oh, bon, d'accord, t'as pas pris un kilo, mais méfie-toi. Hein. » Quelque chose d'horrible. Mais bon, hein, je me suis mise d'accord avec la balance. Il ne faut pas qu'elle m'embête. Hein. Sinon, il y a une fenêtre à côté, éventuellement. Non, je plaisante. C'est vrai que... Là, je prends du volume visuel, c'est déjà pas mal. Bon, après, je vais prendre des kilos, hein, comme la plupart des femmes enceintes. Il y en a très peu qui grossissent pas. Il faut le poids du bébé. Hein. Donc, bon. La plus grosse hantise. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-ci. En train de me dire, celle-ci, elle me plaît bien, 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 bien. C'est suffisamment vif pour bien qu'on voie et c'est suffisamment... effet colorié pour que ça soit super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. L'autre plus clair, je le trouvais un peu fade. Mais bon, après, ça va dépendre de ce qu'on fait à côté. Mais celui-là, là, il pète. Hein. Ah, je le trouve vraiment chouette. Il me plaît. Vous avez vu les oiseaux? On a vraiment de l'aquarelle, hein, vraiment. Bon, vous mettez un pinceau, c'est mort, il n'y a rien. Vous n'aurez pas d'aquarelle, vous n'aurez rien du tout. Hein, je vous le dis, je suis nulle en dessin. Mais alors là... Joli. Il y a une période, c'était de la mode du colorier, de faire des coloriages anti-stress. J'aimais beaucoup. D'ailleurs, ça m'arrive d'en refaire ce que j'aime beaucoup.
Mais c'est, j'ai plus eu l'impression que ça m'a stressée que anti-stressée, quoi. Parce que vu que je suis assez, j'aime beaucoup me challenger, c'était finir le cahier de coloriage en un mois. Donc c'était genre faire un coloriage par jour, une feuille complète à quatre. Non mais, je vous le dis, il y en a qui sont détendus, d'autres beaucoup moins. Moi je suis partie des beaucoup moins. J'aime beaucoup l'image du bas. New York. Chouette, hein? C'est vrai que c'est marrant, hein? On n'a pas du tout les mêmes. Et j'ai une copine, elle a fait des tonnes de coloriage. Même des fois, elle en refait. Et elle, ça lui avait supprimé son eczéma. Donc, comme quoi, des fois, ça marche. Des fois, il faut juste trouver le petit truc qui nous convienne. Vraiment sympa. Hein? J'aime bien. Et ben, on retombe sur l'astrologie. Ah, sur l'astrologie, ça mériterait que je les rassemble tous, hein, parce que je trouve que ça fait un peu éparpillé. Donc, si vous mettez ça en début et ça à côté, ah, ça fait pas des masses ensemble, hein. Malgré qu'il y a toujours un petit côté aquatique, hein, je trouve que ça va pas des masses ensemble. Après, c'est peut-être moi, peut-être sur le coup que je m'en foutrais complètement, mais oh, ils sont beaux là. C'est super joli ça. Oh, je verrai bien le moment voulu. Ils sont chouettes quand même. J'adore ces effets de couleur en fait. J'adore. Sinon, si je les ai achetés, c'est qu'ils me plaisent normalement. Normalement, ça va avec. Ensuite, là, celui-là, je ne l'utiliserai pas tout seul. Je serai forcée de le mélanger avec d'autres parce que c'est tous des plumes. Regardez-moi ça. Donc là, on ne va pas s'emplumer sur un mois complet. Ou se déplumer, je ne sais pas. On va mélanger avec les attrape-rêves, les trucs comme ça. Ça ira très très bien avec. Ça mélangera un peu. Ah, oh, c'est chouette ça. Vous avez vu celui-là? Très chouette. Donc on verra bien comment ça va se faire. Hein. De toute façon, ça se fera petit à petit, tout doucement. Et ça fera bien sympa. Ouais. Ce sera bien assorti, j'aime bien. Hein. Alors, il y en a oh, un peu moins, hein, mais il y en a franchement super chouette. Hein. Celui-là, je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'il représente. Hein. De toute façon, il y en a forcément dans l'eau qu'on n'aimera pas, hein. Sinon ça serait pas drôle. Mais j'aime bien. Un œuf au milieu de toutes ces Boqueuse. Boqueuse, tu n'as pas honte. Boqueuse. Et là, dans ce lot-là, il y en avait un pareil qu'ils n'avaient plus en stock. Donc ils m'ont demandé s'ils pouvaient changer. Je leur ai dit oui. Juste un que je n'ai pas en double. Et voilà. En gros, c'était le même critère que celui que vous avez vu sur la semaine dernière. Et il m'a envoyé ça. Donc c'est pas un lot de 6 planches, c'est un lot de feuillage plastifié. Alors, par contre, je suis allée voir sur le truc pour voir ce que. Après, je me suis dit, c'est peut-être qu'éventuellement que j'ai pris peut-être chacun de tout leur stock et que voilà. Et en fait, je pense plutôt qu'ils ont voulu être sympas parce que, mine de rien, ceux-là, là, ils sont bien plus chers que ceux que j'utilise, que ceux que j'ai achetés. Donc, je pense qu'ils ont voulu être sympas, vraiment. C'est parce que ceux-là, ce petit lot-là, moi, en gros, je l'avais acheté 1 euro, la planche de 6. Ça coûte 2,40, un truc comme ça. C'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup, beaucoup plus cher. Et c'est complètement différent. C'est un effet transparence, déjà. Et c'est plastifié, c'est on dirait vraiment des vrais quoi. La qualité, elle est super belle et ça sort super bien. Moi, ça clairement, je n'achèterai pas à 2,40 le petit paquet là. Mais c'est par contre la qualité d'image est vachement sympa. Si vraiment j'ai un gros projet, peut-être qu'éventuellement je me laisserai tenter quoi. Mais c'est vrai que oh, c'est cette feuille là que j'adore. une fixation dessus, je vous le dis, je vous le dis.
Voilà, ça c'est vraiment à savoir, c'est la fougère, c'est de l'eucalyptus. Ça, on en trouve beaucoup hein, dans les bouquets de l'eucalyptus. Un cœur de l'eucalyptus. Qui mieux mieux de l'eucalyptus. Et un cœur de l'eucalyptus. Je suis sûre, il y en a encore. Oui. C'est comme dans les plantes. Plus ils en mettent, plus ils sont contents. Encore de l'eucalyptus. Ah, je crois que c'est la même. Oui, oh, pas tout à fait. J'en ai encore une. Non, c'est pas de l'eucalyptus. Ah, si. Si, de l'eucalyptus. Eh, l'eucalyptus à petits brins. Moi, je vous le dis. Alors, ça, je sais pas. On dirait une feuille d'arôme, mais je suis même pas sûre. Je sais pas. Alors, croyez pas que j'y connais en plantes. Hein. Je connais juste celle que j'ai. Ça, je sais pas c'est quoi. Aucune idée. C'est les goûts, les couleurs. C'est ça pour moi, voilà. C'est si vraiment si c'est un thème, c'est ça peut être super joli. Et de la petite écriture là que voilà. C'est vrai que ça ressemble pas du tout à ce que je consomme, on va dire, ce que j'achète facilement, parce que ben déjà le prix ne me le permet pas et c'est. C'est différent, c'est complètement différent. Ça, c'est vraiment un effet plastifié, c'est un effet réel, hein. C'est très plat, donc ça fera pas d'effet bombé, c'est surtout ça. Parce que les stickers 3D, j'ai essayé et franchement, je n'aime pas du tout, quoi. Je les garde en plus, c'est des effets enfants que j'avais. Donc je vais les garder pour mon petit bébé. Et quand il y a une copine qui vient avec ses deux petites filles. Parce que j'ai pas de jouets enfants chez moi, enfin plus tard je m'en rêve, mais pas là du tout. Et ce qui fait qu'elles s'ennuient, donc c'est souvent elles font des coloriages, des stickers, enfin, elles s'amusent avec ça. Comme ça m'arrange. Comme ça, elles ne me colorient pas de partout. C'est plus simple. Voilà. Donc là, ça y est, je vous ai fini le tome 5 sur 6. Je vais attaquer la sixième. Et après, ça sera fini une bonne fois pour toutes les stickers. Mais sincèrement, si vous en avez acheté, achetez chez qui vous voulez parce que il n'y a pas de différence. Mais c'est très beau et ça fait une très belle finition. Et franchement, moi je surkiffe. Ça fait des années que j'en achète et ça fait des années que j'en consomme. Et c'est génial. Moi j'adore, 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 j'adore. Je suis une conquise. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Amusez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao!